Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah, mon frère, ma sœur, je te salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si tu es dans la joie, mais moi, je suis dans la joie ce matin. Alors, demande-moi pourquoi. C'est parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Parce que j'ai Jésus dans ma vie, je suis dans la joie. Parce que j'ai Jésus dans ma vie, je suis dans la paix. Parce que j'ai Jésus dans ma vie, je suis rempli d'amour. Alors, prends cette paix, prends cette joie, prends cet amour pour ton héritage. Parce que Dieu nous a réservé cela par Jésus-Christ de Nazareth. Maranatha, alors sois rempli maintenant. Sois rempli maintenant. Sois rempli maintenant de l'amour de ton Dieu. Je te le souhaite réellement. Alors en ce matin, nous allons demander à Dieu de se souvenir de nous. Oui, c'est vrai, il est bon de l'adorer. Il est bon de le louer. Mais des fois également, il est bon de le supplier. De faire des prières de supplication. De lui dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, regarde, retourne à ton alliance. Souviens-toi de ce que tu m'as promis. Regarde à ces années qui passent et que je n'ai pas encore rencontré mon âme sœur. Regarde à ces années qui passent et que je n'ai pas encore tenu l'enfant dans mes bras. Regarde à ces années qui passent et que je vis comme un mendiant, comme un clochard. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. La chanson s'intitule « Dieu de mes prières ». Alors tu peux le chanter comme tu le veux. Tu peux mettre tes mots comme tu le veux en ce matin. C'est toi qui connais ta situation. Ah, merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Ah, merci Saint-Esprit. Toi qui es en train de remplir le cœur de quelqu'un ce matin. Dieu de mes prières, moi je t'adore. 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 Dieu de Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas. En raison de ta bonté, Seigneur, il est droit, il est bon, le Seigneur. Lui qui montre aux pécheurs le chemin, sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Dans la première lecture de ce matin, Azarias était en train de prier son Dieu dans le feu, parce qu'on les avait jetés dans le feu avec le prophète Daniel. Il demandait à Dieu de se rappeler son alliance avec lui.
et ils sont sortis de ce feu intacts. Le feu ne les a pas dévorés. Alors mon frère, je te dis ce matin cette bonne nouvelle. Le feu ne va pas te consumer. L'eau ne te submergera pas. Cette maladie ne t'emportera pas. Cette pauvreté ne t'amènera pas dans ce trou où il veut. Parce que le Seigneur est avec toi. Parce que le Seigneur est avec toi. Parce que le Seigneur est avec toi. Dieu de ma famille, moi je t'adore. Tu sais tout ce dont j'ai besoin. Moi je t'adore. Tu vois tout ce qui manque dans mon foyer. Moi je t'adore. Tu regardes mes années d'humiliation. Je ne vaux plus rien dans le quartier. Moi, je t'adore. Mon nom est la prostituée, l'alcoolique. Mais moi, je t'adore. Visite-moi ce matin. Ce matin. Ce matin. Visite-moi ce matin. Nous sommes convaincus que le Dieu de nos prières nous a entendus. Le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth, le Papa de Jésus, notre Papa. Jésus-Christ lui-même qui est Dieu, le Saint-Esprit qui est parmi nous et qui est en nous, nous a entendus. Alors je veux que tu termines ce temps en rendant grâce à Dieu. Dis au Seigneur merci pour cela. Merci pour cela, merci pour cela, parce que je sais que tu as entendu mes prières. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur pose sa main sur toi, que le Seigneur te guide, que tu puisses entendre ta voix, sa voix, et que tu puisses faire sa volonté. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.